Oh, ça c'est vraiment un œuf dur. Ah. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Joue avec moi, jeu pour enfants. Alors là, j'ai quelque chose de super cool, de très particulier de la collection Hatchimals Collectors. Donc, nous avons toujours ces différents œufs surprises. Donc c'est Spin Master qui fait ça pour les enfants à partir de 5 ans. Hein. College tables, basket panier. Voilà, donc c'est super, hein, parce que ça fait un petit panier de Pâques. Super mignon. Ok, donc on va regarder ensemble hein, ce qu'il y a à l'intérieur, comment c'est fait. Donc là, on a premier œuf, hein, dans les tons orange-rose. Super cool. Et ça fonctionne comme ça, en fait. On frotte au niveau du cœur et donc c'est dans cette zone que on va dire, la coquille est un peu plus fine et c'est comme ça qu'on va casser l'œuf. Et voilà. Donc là c'est bon, c'est ouvert et on va trouver notre premier collectible. Donc, très intéressant. Oh mignon, comme tout. Oh, c'est encore un petit mouton, hein. Petit caniche mouton. Adorable. Et donc là, on dirait comme un lapin et puis un chien. C'est ce que l'on a là sur les côtés, du coup. Donc on continue, on frotte bien pour casser la coquille. Alors qu'est-ce qu'on a là? Ah, c'est un oiseau. Je crois que c'est une édition spéciale. Hein. Couleur pastel. Okay, donc le 2, déjà fait. Donc on a le troisième là. C'est un cœur un peu plus foncé que l'on a là. Donc là, ça devient, le cœur devient un peu plus clair et là, on va se dire que bon, la coquille va bientôt casser. Un petit indice, un petit signe. Ça, je sais pas. C'est comme une... Oh, peut-être comme une petite abeille. Mm-hmm. Ça doit être ça, en violet. Voilà, donc vraiment adorable avec ses petits yeux fermés. Et là, on arrive avec notre dernier œuf. Donc, on va frotter. Oh, et c'est bon, ça casse. Qu'avons-nous? Quelque chose de violet. Avec du jaune. Une souris. Oh. Je ne sais pas ce que c'est. Peut-être un petit renard ou... Normalement, habituellement, on a des petites explications avec. Donc là, je ne les vois pas. Donc là, ce ne sont pas de véritables figurines. Hein. C'est des petits, petits échos. En tout, on avait 8. Hein. Et en bas, en dessous, nous avons les instructions. Ah, ça c'est pas, je pense pas que ce soit rare. Bonne question, on va voir. Moi je pense que c'est tout, hein.
Après, il faut connaître les symboles, je pense. Ils ont tous des ailes argentées, donc c'est pas... Notre oiseau. L'autre, c'était... Ah, c'était... Je dis une bêtise. C'était plus un faon. Ok, donc c'était bon, on a tout. Donc là, c'est une petite abeille, hein, comme on l'avait vu. Ça, c'est notre petite collection, Doko. Super chouette. Voilà, donc vraiment quelque chose pour les collectionneurs, hein. Vraiment sympa. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo, laissez des commentaires, des avis, des suggestions, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, comme ça vous ne manquerez plus aucune vidéo. Et on se dit à très vite, salut!